Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve avec une petite voiture. Rémi a changé sa voiture, ouais! C'est ça, le Il a départ. acheté une nouvelle voiture et franchement, autant vous dire que ça fait plaisir. Elle est juste là derrière, donc je vais vous la montrer tout de suite. Direct, je vais vous montrer ça. Donc regardez, on se retrouve sur une petite Fiesta ST. On voit bien là le détail. Hein. Et elle a combien de chevaux? 185. 185, putain. Il est carrément passé de... Putain, t'étais à combien? T'étais à 60 avant? Même pas, je crois. Putain, ah ouais, c'est un délire hein, quand même. C'est un délire. Franchement, d'extérieur, elle est tellement belle. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc bon, c'est la première voiture que je filme vraiment, que je fais une sorte de vidéo à la crame, on va dire. Parce que là, j'ai la caméra. Rémi, il a un petit peu le temps. J'ai le temps aussi. Donc voilà, on a le temps de la montrer bien, tout clean, pour une fois. Parce que d'habitude, c'est en vite fait et tout. Tu sais, si les gens ils sont pas d'accord ou. Mais c'est vrai qu'il y avait quoi comme autre couleur sinon? Parce que je crois qu'il y a en rouge. Il y a rouge, il y a noir, il y a blanc. Ah, c'est un délire comme ça. Hein. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Ah, franchement, pff, ça s'approche un peu de la RS quand même. Hein. On va pas dire, mais. Ah, bah c'est même pas vraiment ça. Le petit détail là. C'est la clé RS. ST. Ah, c'est pour ça que je me suis dit, ça s'approche de la RS et tout. Et du coup, sans indiscrétion, tu payes cher d'assurance? Parce que s'il y a des gens qui veulent savoir. 90 euros. T'es pas obligé de le dire, mais bon, bah, ok. 90 euros. Ouais. Ça reste raisonnable quand même pour une. Enfin, c'est une sacrée belle voiture, hein. Franchement, il n'y a pas. On va vous montrer l'intérieur. Bon, alors, moi, comparé à Kram, je suis vraiment un débutant, j'y connais rien. Donc, bon, c'est pas du tout la même qualité, on n'a pas les mêmes. Voilà. Hein, j'habite pas à Paris. Ah, parce que lui, genre, en fait, si tu veux, il connaît tout. Il connaît tout par cœur. Et enfin, il ramène des mecs, genre, il ramène des Nissan GT-R et tout. Enfin, c'est des trucs de malade. Regardez, là, vous avez le petit détail aussi. ST. Et tu m'as dit que ça s'allumait la nuit du coup. Ouais. Putain, ça c'est stylé. Derrière les petits sièges. Il y a quand même de la place hein, quand même pour une. C'est pas une très grosse voiture, regardez. Le petit détail là. 8 ST. Petit siège Recaro. Ça fait plaisir. Tout à fait. Donc franchement, c'est plutôt cool. Et tu l'avais acheté vers les 15 000, tu m'as dit. D'occasion. Ouais, hein. 15 900 d'occasion. D'occasion. Bon, attendez, après je vais passer de l'autre côté pour. À 30 000 bornes. Ouais, ça va, c'est raisonnable quand même. Je suis pas un expert, mais ça semble c'est raisonnable. Chauffant. Ah, elle a les sièges chauffants. Ah, t'attires un sacré tuning. Limitateur de vitesse, tout ça. Bon, je vais passer de l'autre côté juste pour leur montrer le volant un petit peu. Je suis désolé, je te dérange. Ah, franchement, il n'y a pas à dire. Hein. C'est vraiment. Déjà, tu m'avais montré la photo, j'étais là en mode. Oh. Oh, il a acheté ça, Rémi. Oh putain, le tuning. Donc, du coup, bon, bah là, on a pareil de l'autre côté, hein, sur la portière, c'est pareil. Par contre, c'est bien ce petit. Je trouve ça cool. Ouais. C'est un détail, mais bon. Je trouve ça pas mal. Et regardez le petit volant. Attends, je vais mettre comme ça, on verra mieux. Même le volant il est stylé, hein, le petit détail ST. Ouais. Les compteurs aussi. Ah, les compteurs aussi. Attends, je vais essayer de faire un petit zoom. Sur les. Voilà, les compteurs ils sont assez stylés quand même, il n'y a pas à dire. Franchement, là t'as le. Et ça marche comment genre pour la démarrer? T'as le start and stop un peu? Non, parce que c'est le power. D'accord. Tu te démarres sans clé. Bah merci Rémi, du coup c'est cool hein, franchement. Là vous avez pareil, un petit détail. Là franchement. Ah bah vas-y, t'sais quoi, fais-toi plaisir gros. Ah franchement elle est belle, hein, y a pas à dire. Pff, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Ah ouais, ah non mais on est tunique jusqu'au bout là, attends. Ah mais ça c'est un petit détail, mais ça fait son effet, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Ça c'est quand même bien hein, franchement. Bah, du coup les gars, sans plus tarder, on va vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bon, on va pas non plus rouler à 380 non plus, mais ah non, c'est quand même ouais. Plaisir. Il a une sacrée gueule quand même. C'est exactement, c'est presque, il me semble, bon faudra qu'on regarde que je regarde les anciennes vidéos, mais il me semble que c'est, enfin, c'est la même voiture que j'avais dans le RP, hein, au tout début que j'ai commencé, il me semble. Hein. Il me semble, hein. Bah vas-y, bah on peut y aller, on est parti, hein. On est plus là, on est chaud, on est go, on est tout ce que tu veux gros. Et donc du coup ça te fait quoi toi de passer sur... Merde, c'est fermé. On a des petits détails hein. Et ça te fait quoi de passer du coup sur une voiture qui a beaucoup plus de chevaux? Enfin tu dois te faire plaisir. Eh ben, c'est l'orgie quoi. Ah bah ouais, je veux bien te croire. Faut pas appuyer souvent hein, parce qu'après la pompe ça fait mal hein. Ah et les flics aussi ils font mal un petit peu. Ah, aussi, ouais. Bon bah ça y est, on est parti. Mon dieu quoi. Et franchement la qualité elle est pas mal. Oh putain le tuning. J'accélère tout. Ouais t'inquiète. Oh le tuning frérot. Ah ouais.
Oh quand même, elle fait un bruit hein. Ouh. Oh ça rigole plus hein. Par contre quand elle sera chaude, ça te dérange pas de faire des rêves après, mais quand elle sera chaude parce que... Faire quoi? T'inquiète, je te dirai. Des rêves, en fait t'es à l'arrêt et tu fais vroom vroom quoi. Ouais. Tu fais chauffer le moteur quoi un peu. Ah franchement c'est un tuning cette voiture. Hein. Ouais, c'est un... Là tu te fais plaisir là. Je sais pas si vous entendez mais c'est violent. Pour une toute petite voiture elle fait un bruit. C'est quand même sacrément violent. Attends, après je vais juste ouvrir un peu pour qu'on entende un peu mieux la fenêtre, ça te dérange pas? Ah ouais, ouais. C'est comme ça, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'on entendra un petit peu mieux? Bon, je suis désolé pour le bruit avec le vent. T'as levé un bruit, mec. Oh là 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 là. Évite de perdre le permis quand même. Ouais. T'as franchement, elle fait un bruit. Ouais, t'as vu, je limite, je préfère être là-dedans que dans une Porsche, tu vois. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. Bah, tu sais, franchement, c'est une toute petite voiture, mais ça watt comme il faut, tu vois. Et du coup, tu te fais plaisir alors qu'une Porsche, tu sais déjà que ça watt de ouf. C'est bien, mais je trouve ça mieux parce que là, c'est une toute petite voiture, tu te doutes pas, tu sais, qu'il y a un putain de potentiel. Pas qu'il y a ça derrière. Ouais, tu te doutes pas qu'il y a les chevaux. Putain, ouais, comparé à la Corsa. Je peux te dire, la Corsa, déjà, j'étais là, tu vois, quand tu prenais les virages, je me disais, oh putain de merde, le tuning. Et là, non, là, t'es plus confiant parce que tu sais que déjà, ça tient mieux. Ah, c'est pas du tout pareil. Le virage là-bas, je veux pas ça. Le petit bruit qu'elle fait, c'est hardcore. En plus, on a une plutôt belle route. Bon, je suis désolé si ça bouge un peu, c'est la route qui est un peu nique. Un peu le ressenti de toi, tu vois. Ah oui, bah là, oui, là tu ressens bien. Tu te feras du seul. Ah ouais, non, mais ouais. Le jour où je vais monter dans une GTR, je pense que je vais pleurer. C'est ça. Parce que à Monaco, il y avait une. Ah, j'ai oublié de te le dire, mais bon, t'avais pas le temps de descendre à Monaco. Mais il y avait le Top Marque, tu sais, c'est un salon de voiture. Ouais. Et mec, je te mens pas, il y avait une GTR de 1800 chevaux. Je pense que celle-là, t'aurais pu te faire plaisir avec. Là, tu perds. Ah bah, ouais, à peine t'appuies, t'es déjà à 200. Il y a l'air d'avoir personne, frérot. Donc du coup, ouais, il y a personne. Donc du coup, s'il y a des personnes, si jamais il y a des personnes qui voudraient passer, présenter leur voiture, moi ça me dérange pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, je suis encore un débutant, faut pas m'en vouloir si je fais des erreurs ou des choses comme ça. Je connais pas tout par cœur sur les voitures comme Acra ou mes potes de la page BM. Mais bon, on est là pour s'améliorer. Ça. Voilà. Voilà pour tirer les mauvais tunings. Et là, par contre, ce qui se sent aussi, c'est que j'ai plus de place à l'avant. Comparé à la Corsa. La Corsa, c'était un petit peu plus rapproché comme ça, tu vois. Et la couleur, bleu nuit, c'est magnifique. Franchement. Bleu nuit, bleu violet, c'est bizarre. Ouais, mais franchement, j'aime bien. Ça fait penser à Pokémon. C'est marrant. Mais franchement, les petits sièges baquets et tout, c'est grave confortable. Franchement, le virage, c'est bien. Ah ouais. Tu pars pas dans tous les sens. Là. Ah ouais, ouais, que la corsette était là. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les gars. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à Rémi de vous la présenter, ce que c'est sa voiture. Et voilà, bah, s'il y a d'autres personnes qui veulent passer, je mettrai le lien de mon Gmail pour que vous puissiez m'envoyer un mail avec la photo de voiture comme Akram. En fait, on va me dire que je plagie. Mais ça fait longtemps que je voulais faire des vidéos comme ça. Et maintenant que j'ai la caméra pour, voilà, on peut se faire plaisir. Attends, maintenant on a la caméra pour, alors pourquoi se priver? Donc voilà. Attends, on entend déjà un petit peu le bruit là. Pff, c'est quand même une dinguerie. Hein. C'est quand même une dinguerie, hein. Y'a pas à dire. C'est quand même violent. C'est quand même violent. Bon, je vais vous montrer un petit peu la route. C'est parti. Et franchement, je kiffe le bruit qu'elle fait. Voilà, ça a remis la route, c'est nickel. Franchement, c'est dingue cette voiture. Fais gaffe parce que des fois les flics ils peuvent se mettre là aussi. On sait jamais, tu sais. Ouais, t'inquiète. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La qualité, je pense qu'elle est potable. Le micro, je sais pas. Oh bah tiens, une petite série 5 pack. Galère, j'ai... Voilà les gars, on s'est sur ça. Merci Rémi.
sur ce, bah, je vous dis la bise les gars dans cette magnifique Ford Fiesta ST. Bon, donc là il va faire des petites rêves.